Bon, aujourd'hui, ça faisait bien longtemps que j'avais pas enfourché le vélo pour une sortie loisir. Et à deux jours de rentrer en France, on va refaire un petit peu de dénivelé. J'aimerais bien aller à Guadeloupe. En 7 ans, je suis jamais monté jusqu'en haut. On va voir. Le problème, c'est qu'il pleut. Et donc, il se peut que je fasse demi-tour avant. Allez, on commence par un petit échauffement. La montée du parquet national. 1,5, 1,6 km. Mais quand même 200 mètres de dénivelé, quoi. Après la montée du parquet national, la petite partie reposante de la Circumbalar. Bon, ben voilà où. Pas très engageant, non? Bon, maintenant qu'on est sorti, c'est le plus dur. Sortir, c'est le plus dur. Carrefour de Montserrat, dernier. Dernière zone. Pas trop compliqué. Ah bon. D'accord. Donc, si tu t'es pas assez échauffé au parquet national, bah là, il y a un petit coup de cul pour finir. C'est d'ailleurs dans ce raidillon que j'avais crevé, mettant un terme définitif à ma tentative de Ciclovia Nocturna à Guadeloupe, justement. Et si t'es vraiment toujours pas assez chaud, encore un petit raidillon, les familles. Et toujours la pluie, tu le notes, de plus en plus même. Tu vois, j'ai enfilé le bleu Décathlon, parce que les choses sérieuses commencent. Là, ça monte et ça redescend plus. Et ben c'est parti. Enfin, si ça redescend, mais c'est eux qui redescendent. C'est bon, j'ai le maillot vert en point de mire. Ouais, sauf que le maillot vert en montagne, généralement, c'est pas bon signe quand t'es derrière. Le fameux commissariat où on nous bloquait pendant la pandémie. On pouvait pas monter plus haut. Très très court replat. Très court, trop court. La route de Tuachi et l'embranchement à Laches. Ok, Guadeloupe 6,3. 1870 mètres d'altitude. 285 mètres de dénivelé. Et je n'ai fait que 9 km. Non, j'ai la légère compensation de voir qu'il n'y a pas que moi qui pédale dans la choucroute. Des fois, tu peux pas prendre la route. Non. Mais c'est pas le même maillot vert, hein, je te rassure. Montserrat et Bogota. Belle sortie. Et ben c'est sur ce replat que je passe 500 mètres de dénivelé positif. Pour, tu le vois, 12 km 70. Alors si je me rappelle bien, les 500 premiers mètres sont durs, mais je les connais. Je te ferai un top quand je connais plus. C'est parti, 13 km. Affiché au compteur, pas qu'il me reste à faire. Allez, serre les dents, moi, ce bat. Sauf que la GoPro, c'est nul. Ça monte pas le dénivelé.
c'est beau, mais c'est haut. La nouvelle aventure commence ici, à cette belle épingle. Voilà, je cale. Tu m'entends souffler comme un bœuf ? Montserrat, et puis tout ça là-bas, c'est la route de Chouaki. Et là-haut, le fameux col. Ouais, col. El Vejón, c'est normalement la sortie qu'on fait plus classiquement. Donc ce que tu viens de voir là, plus le morceau de route là-bas. Donc niveau stats, 663 mètres de dénivelé. Tu vois, ça monte bien. Pour donc 14,8 km. Quand même des belles pentes, non? Donc c'est lui qu'on voit d'en bas. Elle, elle. Bon, pour la vue, j'ai pas bien choisi mon jour. Bon, bah on en a bavé, mais on y est. Tu la vois derrière moi? Des fois, j'ai peut-être ma grosse tête de là. Bon, maintenant, il reste plus qu'à descendre. Bon, dans la descente, on va y aller calmos, parce que tu auras remarqué que je suis parti sans masque. Sans casque, pas sans masque. Putain, cette pandémie, elle aura fait du mal. Je t'avais dit, hein, descendre peinard, pas se mettre la gueule en l'air juste avant les vacances.
Thank you.